Et que diriez-vous d'une petite histoire avant d'aller dormir? Oui, raconte-nous une histoire. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Ça ne devrait pas être un petit chaperon bleu? Oui, bien sûr. Alors, le petit chaperon bleu, donc, marchait dans la forêt pour apporter un panier de nourriture à sa grand-mère malade. Toute seule? C'est pas très drôle. D'accord. Eh bien, elle a amené un ami. Oui! Alors qu'il marchait dans la forêt... Marchait? Morphel, transforme-toi en voiture tout-terrain. On va aller plus vite. Quoi? Non, attendez, il y a un loup. Où est-ce que tu vas comme ça, petite fille? Désolé, monsieur le loup, on est pressé. Grand-mère! Oui, ils arrivent au chalet de grand-mère. Un chalet? Grand-mère devrait habiter dans un grand gratte-ciel. Et il y a un dragon géant pour la protéger. Waouh! D'accord, donc le loup sort de la forêt et il... Et il se fait attaquer par un ovni. Ça va, monsieur l'extraterrestre? Moi, allez bien. Mes vaisseaux à moi tout cassés. Maintenant, moi plus pouvoir retourner chez moi. Nous, on peut vous y emmener. Morphel, change-toi en vaisseau spatial. Très bien. Ils vont dans l'espace et ramènent l'extraterrestre. Ma maison, voilà! Mais le loup est juste derrière eux. Il est sur un requin de l'espace? Bien sûr, mais il se rapproche. Beaucoup merci d'avoir ramené moi à maison. Pas de problème. Et puis, ils sont retournés chez grand-mère. Ah, grand-mère! On doit lui apporter son panier? Oui, finalement. Donc, ils apportent à grand-mère le panier de nourriture. Hé, tu n'es pas grand-mère! Loup! Non, tu ne peux pas le dire. Le loup a un déguisement. C'est vraiment moi, grand-mère. Non, ta bouche est vraiment trop grande. Ok, tu m'as eu. Je suis un loup et je vais te manger. Mais dans la forêt à côté, un bûcheron fort et courageux entendit le loup. On dirait un loup. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Arrête, gros méchant loup. Oh non, c'est le brave bûcheron. On dirait que j'ai sauvé la journée. C'est quoi? Je crois que c'est à vous. Oh, merci, beau jeune homme. Mais auriez-vous vu ma petite fille? Oh, hein? Mila? Mila! Ça, c'était une bonne histoire.